Et nous revoilà en stream, pour un stream beaucoup plus petit, vu qu'il va être bientôt 21h déjà. Là, c'est un stream un petit peu chill, un petit peu tranquille, contrairement à tout à l'heure. Et sinon, Benji, ouais, je vais essayer d'aller plus loin, puisque le jeu, bah, au moment où j'en ce stream, il a fini de télécharger il n'y a pas longtemps. Là, actuellement, il y a le jeu Alice Interactive Music, j'avais fait la dernière fois, qui se retélécharge. Donc, c'est vraiment être une soirée un peu plus... voilà, un peu plus tranquille. Ce qui est ironique parce qu'on sait qu'avec Hellzone, c'est évidemment le fun d'appuyer sur tous les boutons, d'entendre une espèce de musique techno, électro en ressortir et voilà. C'est, j'aurais beaucoup plus pensé à moi aussi faire des live dessins, mais c'est vraiment cool, chill. Peut-être pour une prochaine fois. Pour le moment, c'est donc Hellzone qui nous intéresse. Avant tout, nous allons signaler que nous sommes en live. Pardon, désolé si j'ai... Merci bébé. Pardon pour le micro. J'ai dû exploser quelques petites oreilles. J'ai même une excuse. Donc, bon, il y a le jeu Alice qui est toujours en train de... Merci, Benji. Qui est toujours en train, mais n'est pas en voiture. Hop, je pense qu'il est désormais temps. Passons au jeu. Ah, c'est pas la bonne fenêtre. Bon bah c'est pas grave, je vais régler après. C'est évidemment les aléas du stream. Pas en full screen parce que sinon ça va foutre en l'air. Pas mal de paramètres. On va attendre que le jeu arrive. Ah, voilà. Le jeu qui est arrivé. Et voilà, hop. Et c'est reparti pour le dance floor. On se rappelle tous. Est-ce que sur VoiceMod je me mets la voix autotune tout le long? Allez, on va respecter. Ça a été le
Une des choses les plus mémorables de cette session L-Zone quand je l'avais fait. Donc on va rallumer Voice Mode. Oh, techno, on est trop dans le turfu. C'était Blox. Je vais tester vite fait. 1, 2, 2. C'était pas celui-là. 1, 2, 2. Ouais, ça passe. Je suis en train de tester les voies potentielles pour du coup le jeu. Les délires, parce qu'après je m'en ai fait à l'heure. Un dernier. Ouais! C'était celui-là. C'est bon, j'ai retrouvé. C'était IDJ. Donc, on va éteindre quelques programmes qui ne servent plus à rien. Paramètres. Et d'un moment de jouer L-Zone, on règle les paramètres. Ah, parce que sinon la voix est dégueulasse. Et donc après, on va en tout plus voice mode. Bah, écoute. Voice mode, et c'est parti! Yay! On ouvre le hublot. Blow, yeah! Ah, c'est parti, on prend le train. Oh ouais! Yeah! On appuie sur quel bouton déjà? Oh ouais, je t'ouvre! Oh ouais, je t'ouvre! Oh yeah! Well, c'est que c'est qui merde. Dance. 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 Et on est arrivé pour Ibiza. Yeah. Y'a personne? Bon. Et coucou, Kakawitch. Et bien en fait ce jeu c'est L-Zone. C'est un jeu où on visite la maison du futur avec des musiques techno. Et puis on apprend qu'Ata est morte. Oh yeah! Et on allume le générateur. Oh pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. Oh yeah! Un petit peu comme ce que ma copine me dit. Et vous, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée techno? Et je vois tous les bras en l'air. Oh yeah!
Ouais, je suis trop problématique. I'm a YouTuber. Ah, est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté? Ah ah. Ah oui. Tu te souviens de ça? C'est le son du futur. Ça s'est télébranché. J'adore, c'est une loupe d'une seconde. Ça, c'est un sample récupéré de Earthbound. Trop bien. Oh yeah! Oh well! Bref. Donc, on va essayer d'avancer le plus possible par rapport à la dernière fois. On sait qu'on a appris que l'humanité était morte. Oh yeah! Wow, le futur Star Wars! Et encore, c'est pas le jeu le plus étrange que je vais faire. Celui qui vient après, qui va finir se télécharger, sera encore pire. La musique est finie. Mais c'est pas fini. Bon, voilà, fini. Plein de trucs qui font bébé, qui font flash. Elle zone, oh, il y a l'outil du jeu. D'un seul coup, le jeu devient trop psychédélique. En fait, c'est une expérience personnelle que j'ai ressentie en fumant la kétamine. Oh, ouais. Vous pensez être sur la vie détente? Je vous ai menti! Bon. On dirait un bruit de paix.
Il y a un truc à faire avec. Et j'aime pas trop ce qui va arriver. Attention à ce qui va arriver. Ah bah non, ça va. C'est super, mais ils sont tous les trucs techno. Hein. Ça remonte. Les balles de texture. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh merde. J'ai réussi. Je sais pas encore, mais j'ai réussi. Ouais, ça marche plus. Mais le robot est bail là. Mais où est-ce que tu vas, petit? Il veut que je le suive. Je sais pas où il est parti, petit. Putain, il est où ce con? T'es parti là, petit? Oh vache! Ah ça y est, on est dans une poterie! Ok, il faut appuyer où maintenant? Là, non, ça ne fait rien. Je suis en train de cliquer n'importe où. Là, ça ne fait rien.
J'essaie de comprendre. Et je ne peux plus sortir. Bon sang, je ne peux plus sortir. J'ai l'hormone si tu veux. Et c'est ainsi que je fus prisonnier de cette salle, parce que je ne sais pas du tout comment faire. Merci, Bane. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment on fait pour sortir ici?
Check, check, check. Merci, Luigi. En vrai, je me doutais que c'était un des deux boutons, mais pour une raison que j'ignore, ça ne faisait rien du tout quand j'appuyais dessus. Grâce à Aizon, je comprends les métiers de la maintenance. Et c'est tellement chiant. Mon Dieu, je suis en train de créer des objets. C'est un micro-ondes. Après, on les ressort. Ah non, question, notre ami robot est passé où ?
Ah bah il fait de nouveau la sieste. He's dead, bro. Et si en fait nous étions dans une usine de fabrique de clones ? Ok, les grands vaisseaux. Ouais, bah c'est Nono. Ça se trouve, c'est ça. Je peux pas choisir. Non. Ah non, ça va, il y en a plusieurs.
tellement ouais. Ah mais vous avez vu, on peut tout détruire. On va rigoler. Oops. Oops.
Oh ouais, on a refait péter la terre sur le dance floor. C'est ça la fin? Attends, c'est ça la fin de Hellzone? C'est genre tu t'amuses à aller dans un truc ultra futuriste, appuyer sur tous les boutons pour au final tout faire péter? Non, j'ai vu une trappe à un moment donné, donc on va refaire vite fait le jeu mais en quatrième vitesse. Parce que non, je peux pas y croire. Ça doit être une mauvaise fin. Parce que sinon, je trouve ça absurde. Ah! Sans doute que, en fait, j'ai activé la mauvaise fin. Là on va aller, là on va être un peu moins dans la déconne et être un peu plus rapide, on va speedrunner le jeu. Ah oui. Non mais mec. Oui, donc dans tous les cas, nous se réveille. Ok. Est-ce que tu as en plus qu'il y a un vaisseau donc parce qu'on est juste au-dessus d'un vaisseau.
Merci, mec. Je pense que comme ça ira mieux hein, pour être sous l'eau. Je commence à comprendre. C'est un téléporteur. Ou un voyageur temporel, je ne sais guère. Qu'est-ce qu'on écoute? Je pense à rien du tout. Thank you.
Non mais à partir de là, t'as plus beaucoup d'interaction en fait. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Thank you.
Hop, bon, je pense qu'on peut s'en arrêter là pour Hellzone. Et le truc, c'est que... Bon, bah écoutez, ma foi, alors je pense pas non plus qu'on a fait le jeu... Excusez-moi, je suis en train d'observer la vidéo d'un gars. Bon, je vais mettre... Ah ben non. Tu as fait Alice maintenant? Alors, Alice, actuellement, sera prêt dans 30 minutes. Donc voilà. Ça te donne une idée, mon cher Ben. Je viens de comprendre un truc dans les zones. Parce que je me disais, mais c'est étrange, il y a une porte qui... Je viens de comprendre un truc dans les zones. DOS, ça va. Ah, pardon, c'est sûr que là, c'est pas la bonne fenêtre. Pas de sauvegarde, pas de sauvegarde. Eh ben écoute. Comme ça, ça permettra au jeu Alice de se télécharger tranquillement. Je vais vérifier un truc. Ouais, non.
seul truc, c'est qu'en effet, il faut partir dans ce qui semble être une autre dimension. Voilà. Voilà, je reviens en arrière. Thank you.
Bon bah apparemment j'ai trouvé la bonne fin du jeu. Surprenamment. Bon. J'ai fini le zone. Bonne et mauvaise fin. Eh ben écoute, vu que c'était un peu sûr, je pense que moi le stream, je vais m'en arrêter là et je partirai te rejoindre. Donc voilà, nous avons terminé Hellzone. Bonne et mauvaise fin. Et franchement, ça fait, c'est quelque chose, surtout d'avoir trouvé tout seul. Comment ? Donc... le stream s'en arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et un bon jeudi.